On a tous les personnages, on va finir toutes les histoires des personnages principaux. Et après, bah, faut refaire un tour pour faire toutes les quêtes de stuffer. Et on sera bon. Un passage secret. Un passage qui sert à rien. Juste... Tiens, on va faire un passage là. Les zombies de Metacorp. J'ai enlevé Alphine. Enfin, Alphine et Osiris plutôt. Donc, Alphine a que la hache. Préparation. Donc, il fait de l'alchimie. Premier secours, donc il régénère un allié, mais qu'un seul. Et il utilise des attaques de glace. Et avec une hache, on va faire mal. Oh le Beric. Passage que j'ai oublié. Oh, ouais, tellement de monstres. Voilà, c'est là que je me dis c'était une mauvaise idée d'enlever Sirius. Bon. J'ai une idée. Faire ce point faible, l'épée là derrière. Oui. One shot. Et j'ai affaibli l'abeille. On va y arriver. Tranquille. Alphine y va bien level up. Laisse t'approuver. Histoire de l'affaiblir, comme ça. Double coup sur lui. Il fait toujours nos dégâts avec sa dague. Génial. Ah, je suis pas payé. Même pas, c'est un glaçon qu'il faut utiliser. Ah,
ひんやりするぜ。Ténèbres, je suppose aussi. Tanky ? C'est quoi ? J'ai dû me tromper d'attaque tout à l'heure encore. Eh, pour vérifier un truc. Même pas. Ah, il est tanky. Putain la vache! Alors je ne peux en croiser d'autres. Ah, ça commence à vraiment être corsé les ennemis. Hein. どこ見てるんだ、行くぞ。ぜ。覚悟はいい。De toute façon, je vais tous les mettre en faille. Primrose fait des dégâts avec ses attaques d'ombre. En plus, avec les buffs qu'elle peut faire, elle peut être pas mal. Mais je suis pas très perso à buff. Que non, je me trouverai. Vu que j'ai la hache. Les attaques ténèbres font mal quand même, hein, putain. Ah, du coup, on remplace un peu Sirius quoi, niveau magie. J'ai pas régénéré, j'ai pas level up, du coup j'ai plus de magie, je sers plus à rien. Bon, mettre. Allez. Chauve-souris. C'est obligé, ça va, les premières zones, tu sais qu'Alphine, il y a forcément un point faible de la fine qui est bon, Alphine peut l'utiliser. Oh, 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 vache. C'est obligé de prendre un personnage qui DPS tout le monde dans la gueule. J'ai récupéré pas mal de thunes. Oh merde, alors voilà. Oh merde.
Oh merde. Là, un petit glaçon. Puis ensuite. Je vais foutre un double coup sur lui. Un double coup. Là. Double coup sur lui. Regarde. Je vais achever celui-là pour être tranquille. Et merde. Alors, j'ai gagné du temps pour pas qu'il attaque. La dague qui passe et la glace. Regardez notre coup. Tous attaquer chacun une fois et c'est suffisant pour mettre en fight dans ce tour là. Et là, on a des PS. Putain, le film qui fait rien contre lui. Oh, autant faire. Voilà, ils attaquent comme ça. Putain, il veut pas. Enfin. Un combat et tu sais même plus d'où t'arrives. On va taper ce coin capté. On va faire une connerie. Plus de points techniques à Colberry. Ça t'est trop. Bon, pas une dague, pas forcément en faiblesse de faute de ténèbres. Et faiblesse de hache. Ah, de glace. Ok. B. Lance. Bon, pour être sûr. Et la glace, ok. Et la petite fille a réussi à passer tous ces monstres. Eh bah c'est magique. Oh, chez mon monde. Ah serpent. Et si. Putain, je pensais cibler le truc. Chier, non, tant pis. Ah,
Des bestioles, putain, on en a. Fin, je sais qu'il est fort, mais le fait qu'on l'a récupéré en dernier, du coup on a l'impression qu'il est pas ouf. Ouais, pas chance cette grotte à trouver les trucs. Escargot à la con. J'espère que le boss va être un peu plus compliqué que l'autre. Le boss de Primrose, pour l'instant, c'était le plus simple. Bon, là il y a les fleurs, donc ça peut être que pas. Chercher. Dernier coffre, bah c'était cela. On se prépare donc. Je vais te mettre une meilleure arme. Je vais aussi, hop, ça va te faire plaisir. Voilà, ce que de faire, est-ce que ça te passe plus. Non, je perds trop en défense élémentaire. Là, je perds trop en tout. Ça, robe. J'ai un cuir. Ah, ça, c'est pas mal. Bon, clairement, j'ai de fer, c'est mieux. PV max. Plus 2, tiens, pourquoi? Ça pour l'instant. Aptitude, est-ce que t'as appris un nouveau truc? Non, est-ce que t'as appris un truc? Oui, après tu sais ça. Aptitude. Ouais, la défense, pourquoi pas, et hop. Or, alors toi, thérapie, guérie, toutes les stations d'un état d'un qui rend insensible aux auto-interactions pendant 2 tours, pourquoi pas. Inflige d'importants dégâts à l'ennemi. Poison un ennemi. Ah, alors ça, pas chier, on le prend. Anime un allié. Hors combat, ça pas chier, on prend.
Et sur les personnages avec son attaque physique, ça c'est bien. Inspiration génère 1%, récupère 1% de dégâts infligés par les attaques normaux en forme de PT. Why not, pourquoi pas. On se soigne avec les objets. J'allais dire putain, j'ai déjà récupéré plein de PV, mais oui, j'ai équipé les équipements pour aussi. Allez, on se fait un joli boss. Ça doit être la grotte. Non. La Désisto. Les plantes sont magnifiques, on a... Et on en fait même d'excellents fortifiants. Pas étonnant que ce soit la fleur préférée des elfes. Et tous ces chemins afin de cueillir des fleurs pour s'en refaire cette petite Nina est un ange. Et voilà notre ami la vipère. Yo. Désolé de passer l'improviste. Warina. Ça n'arrangerait pas de me donner un petit coup. Un tout petit peu de bien. Ah non, pas la peine de te lever. Je peux me servir tout seul. Eh, ce gros serpent a mordu la jambe de la fille. Il aurait pu le bouffer entier en fait. Bon, si tu tiens vraiment. Et laisse-moi te donner un coup de main. Ouais, gentil. Oh, il y a un petit serpent avec lui, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, je vais pas aimer. Donc, on va tester quelque chose. Vol de PT sur lui. Est-ce que c'est faible les dagues? C'est parfait. Est-ce que t'es faible à la hache? Je suppose que oui. Est-ce que t'es faible à l'épée? Non. Et les serpents en bas, oui. Est-ce que vous êtes tous faibles aux ténèbres? Je suis sûr que oui. Quel boss? Ok. La strat. Et qui nous a tous empoisonnés, enculé. Allez, hop. Je fais pas cette attaque de dague, je suis con. Pas ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. J'aurais dû prendre guérison des... Pas le soigneur le plus ouf. On va... Waouh, ça a vachement marché. C'est vrai qu'empoisonner un serpent, ça vaut le coup. Ah,
ils sont pas morts ces enculés. Bon, taillade hein. Voilà, oh putain. Yes, on a remis en défaut. Enfin, on défend faille. Ça va, vu qu'on était plus puissant, il était un peu plus simple. Mais qu'est-ce qu'il était... Mais c'est mal l'enculé. J'ai glissé. Au calme. Qu'est-ce que tu dis? Je peux prendre tout le venin que je veux. Quelle générosité. Tiens, mon Nina, j'arrive. Eh, écoute, il a juste mis KO. Il l'a pas tué. J'ai mal. Il aurait bien Nina. Alpha sera d'un instant. Il sera là d'un instant à l'autre. On peut toujours compter sur lui. Quand je me suis trouvé seul avec toi, à la mort de papa, je me suis senti désemparé. Pour te dire, je ne pensais pas être capable de t'élever, de te protéger. Mais Alpha a toujours été là pour me soutenir. Quand il m'a dit qu'il voulait étudier avec moi pour devenir apothicaire lui aussi, ça m'a inspiré Nina. Ça m'a donné de la force de continuer. Il se montre toujours aussi humble. Il n'arrête pas de s'excuser d'être un fardeau pour moi. Et en réalité, c'est moi qui me repose constamment sur lui. Tellement je pouvais lui ressembler davantage. Alphine. Okay. Manqué, désolé d'avoir mis aussi longtemps. Oh, Alphine, quel soulagement de te revoir sain et sauf. Non, tu as réussi. J'imagine que tu sais comment procéder. Laisse-moi faire, je m'y mets tout de suite. Bonne chance, mon ami. Faites ça à deux au cas où. Pour être sûr. Oui, ils se trompent pas. T'imagines, ils se foirent. Ah, je suis complètement à plat. Je crois que je vais rentrer faire un petit somme. Viens montrer que c'est sa maison. Plus tard dans la soirée. Non, si Zef s'en sort. Non, je devrais pas m'inquiéter, il y arrivera comme toujours. C'est Zef. J'ai fait tout mon possible pour devenir un excellent apothicaire pour me montrer à la hauteur de... Et parfois j'ai l'impression d'avoir encore tellement de progrès à faire. D'un bon coup de vent pour balayer ce petit patelin de la carte. Pourtant, c'est ici que je suis né et j'ai grandi et que j'ai appris mon métier. On a ce crincheux de Jarta qui n'a jamais vu décrocher un sourire. Myril a repris sa vie en main, mais elle a encore besoin de soutien de temps en temps. Il faut aussi survivre via les côtes. C'est tout. Et toi, Zef, depuis qu'on se connaît, j'ai toujours dépendu de toi. Tu m'as permis de suivre les enseignements que ton père
de ton père à tes côtés. Il était occupé de nos finances, on s'est mis à travailler. Pas de doute. Qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Oui, des manches. Il vaut mieux que je reste ici après tout. Et pas planté là. Allons voir si Zef a fait des progrès. Et là, pouf, elle est morte. Crème chip chip qui est passé niveau 19. Ok. Alf. Dans la flamme sacrée, ça a marché. L'état des Luna, c'est le meilleur dernier. Évidemment, avec toi sur le coup, n'avais pas un doute. Merci Elfie, merci pour tout. Et il parle à ma place, je peux arrêter de parler. その言葉、いつだっけ、君が子供の頃、大病にかかった時、あの時ばかりは僕の父もお手上げだった。でも、通りがけの旅の薬師が薬を渡してくれて、 よし。これでも。おじさん、ありがとう。どうして助けてくれたの？うち、お金ないぞ。いいかい？苦しむ人がいたから助けたんだ。当たり前のことだよ。 おじさんみたいになれるかな。あの日から君は彼の背中を追ってきた。あの人のように苦しむ人を助けたいって。あったな、んなことも。なあ、アーフェン。 君とはそれからずっと一緒に勉強してきたね。だからなんとなくわかるんだ。この村を出て世界中の人を救いたいんだよね。あの旅の薬師のように。<笑>バレてたか。 バレてたよ。だけど俺にはこの生まれた村があんだよ。ゼフ、お前の腕は知ってる。俺と同じ、いやちょっと、けど俺がいなくなったら一人で村を見ていけんのか。それに俺がいなきゃ誰がゼフをからかってやるんだ。 誰がゲルタスの愚痴を聞いてやるんだ。メリルの恋話はどうだ。うん、全部僕が引き受けるさ。<笑>大丈夫、何も心配いらない。僕が命に変えて村を守る。いや、だからさ、行っておいでよアーフェン。 君らしく胸を張って。バカ野郎。行ってくるぜ、母ちゃん。
俺にどこまでやれるかわかんねえけど、あの恩人さんみたいに大陸中の人を救ってくるぜ。しっかり見ててくれな。アーフェン。よかった。やっぱりまだここにいた。なんだゼフ、見送りならいらねえぞ。選別を渡そうと思ってね。つまらないものだけど。僕のカバン。君がどこかで薬を作るとき、僕もいつも一緒にいるよ。やれやれ、本当につまらねえな。それしか思い浮かばなくて。まあ大事にしとくぜ。ありがとう。じゃあ俺のも使ってくれるか。ああもちろん。大切。そんじゃ行ってくるわ。行ってらっしゃい。J'avais oublié d'activer le micro. Du coup, j'ai lu dans le vide le truc. Parfait. Alors. Est-ce que je peux te questionner ? Arigato na. Là, on peut faire toutes les quêtes normalement. Cette résidence de Russe Claire aime profondément son village, sa vie. Rivière paisible, son soleil radieux, habitant un grand cœur, hein, j'ai caché. Pourquoi j'ai lu? Parce que c'est ta merde. Ah oui, c'est quoi ta mission? Bienvenue dans notre village, je m'appelle Meryl. Je voulais bien m'écouter un moment, il s'est passé quelque chose que je peux raconter à personne d'autre. J'ai trouvé une bouteille qui flottait sur la rivière. Et en figurez-vous qu'elle contenait cette lettre, pouvez-vous savoir ce qu'elle disait? Machin Meryl, je t'aimais de tout mon cœur, mais j'ai été contraint de te confier à quelqu'un d'autre. J'espère que tu as trouvé le bonheur où que tu sois ta mère. J'ai pourtant des parents dans ce village même. J'ai envie de leur poser la question, mais pas doute de ce qu'ils me répondent. Donc ça, c'est un truc à questionner. J'ai caché là. C'est Zef, vas-y, on le tape, j'ai envie de passer moi. Un combat contre Zef. Ah ouais, tu me cherches toi. Attends non. Juste pour vérifier un truc. Bon, ça se fait baisser là. Yo!
ここからが最Putain, il est pas mort. Bah, y a pas à chier, on soigne. Ouf. En fait, j'en peux lâcher. Tout ça pour parler à la fille et la voler. Et la questionner aussi. Et la queue d'Alain là. Ah, je te fais. Alors, je te vole. Hop, âge de bataille, c'est parfait. Je questionne. J'ai caché quelque part. Donc, il se met en beauté d'un coup. Voilà. Toi, je peux te voler. Tiens, on peut pas se dire les gosses, c'est con. Il y a des filles aussi. Ah, l'objet caché était là. Vol. Ah, golé. Questionné. Passer de Meryl, ok. Ça passe plus facilement questionner que scruter, j'ai l'impression. Alors, peut-être parce qu'il fait partie du village et ça passe mieux aussi. Prévision en foison. Crevette en sauce, ça, c'est pour une quête. Faut que je te tabasse. Je suis au niveau 25. Chut. Ok, les crevettes à tous les coups. Ah, les temps sont durs, des pêcheurs, je vous dis. Et qu'un peu et il nous s'empira de ses eaux. Ah, ça va. On a la famille. Hein, hop, t'as des crevettes en sauce. Ouais, franchement, par contre, on s'en bat les couilles. Voilà. Quelqu'un là-bas? Ah, vas-y, on va lui dire la vérité. Dites que je suis pas né ici. Mais c'est impossible, vous mentez. Ça ne se peut. La vérité, ma chérie. Toi et maman, je sais, mon ange, j'aurais dû te le dire plus tôt. C'était il y a 19 ans, une femme a donné naissance à une fille appelée Meryl. Elle est venue chez nous et elle nous a supplié de veiller sur ce bébé jusqu'à son retour. On n'avait pas d'enfant, même si on en voulait depuis longtemps. Tu es comme un don de... Et... On a entendu qu'elle revienne te chercher, mais... On passait depuis les années et puis on a fini de te retrouver comme notre propre fille. C'est peut-être pas l'achat de notre chair, mais on t'aime comme si c'était le cas. Et on... J'étais presque à des doigts de... Tu as trouvé la personne qui a écrit cette lettre. Elle sera peut-être me donner des réponses que je cherche depuis longtemps. Et comment te sens, ma chérie? On peut rire pour toi. La personne qui a jeté cette bouteille doit vivre quelque part en amont. Je me mettrai en route dès que j'aurai fait mes...
trouverai la personne qui a écrit cette lettre. On a ouvert sur d'autres quêtes, je suis désolé. Et on a dû faire toutes les quêtes. À part si c'est une quête cachée. Alors par contre, il y a quelque chose qu'on n'a pas pu s'acheter. Petit personnage. On refait un tour. S'acheter des équipements. J'ai mis en hache quand même. Histoire de dire, on a dépouillé tout. Toi, on a tout pris, on t'a gagné. Toi, je t'ai tout pris. Toi, tout est bon. Pas questionné ? Ariya. Toi, tout est bon. Tout est bon. Et là, tous les coups d'objets doivent être dans la maison. Écoute, on a fait un tour de tout le monde. Juste, hop, modifier le groupe. Pour voir les équipements. Bien. Acheter, alors. Vécu. Toi, toute l'équipe. Défense, du coup, c'est... par contre. Il va avoir une meilleure défense. Et un petit tour. Avec Anit que j'ai pas sorti. Depuis longtemps, putain.
Nouvelle hache pourrait être intéressant pour elle. Qu'il faut que j'achète pour elle. Bon, voyons voir ce qu'on peut vendre. Putain, on avait des trucs à vendre depuis tout ce temps. Merde. Alors, un Fendoir pour Anit, on sait l'équipe. Hop. Les cuisses, c'est bon. Ouf, c'est... Hop. J'ai pas vu. Y'a pas à chier, tout le monde doit l'avoir. Déjà, eh. Toutes les armures. Dégage. Tu peux tout vendre parce que pas besoin de tout ça. Ça, on vend. Ah, il y a des armes maintenant. Les vendre. Voilà, t'as... avec l'autre, c'est intéressant quand même. Bon. C'est que ça coûte une blinde cette connerie. Bon, faut penser, on a des armures à acheter en masse avant de partir en voyage. Et pour tout le monde. Modifier le groupe. Alors, on va monter tout le monde niveau 20. Donc, tous ceux qui sont les plus proches niveau 20, on met dans l'équipe. Voilà. Ah, mais si je croise des gens. Non. Oh putain, Nit, qu'est-ce que c'est pas soigné encore. Voilà, Cyrus, on va te prendre avec toi. On croise des gens à questionner, il faut qu'il y ait tout le monde. Et on vendra pour faire le plein. Là, on va passer en mode farm absolu, faire les quêtes. Et on va save ici.